Éternel des armées, Créateur du ciel et de la terre, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, ce matin, je viens devant ton trône et je me prosterne à tes pieds parce que ta parole dit dans Ésaïe chapitre 1, verset 18. Tu as dit, Seigneur, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Seigneur, il est aussi dit dans ta parole. Tu as dit, mon Dieu, dans Jérémie, chapitre 3, verset 13. Tu as dit, reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu, que tu as dirigé çà et là tes pas vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Seigneur, tu es allé plus loin, et tu m'as dit encore dans Jérémie chapitre 4, verset 1 jusqu'à 4, tu m'as dit, Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Si tu jures, l'Éternel est vivant avec vérité, avec droiture et avec justice, alors les nations seront bénies en lui et se glorifieront en lui. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. T'as dit, Seigneur, circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Éternel, et comme ta parole dit, Seigneur, que celui qui cache cette transgression ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur, dit la parole de l'Éternel, dans Proverbe chapitre 28, verset 13 à 14. Mon Dieu, tu viens bientôt. Nul ne sait, ni l'heure. Seigneur, nul ne sait quand, mais toi seul, tu le sais. Et comme tu as dit jusqu'à Nazareth, dans ta parole, dans Actes chapitre 17, verset 30 à 31, qui nous dit Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice
par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. C'est-à-dire toi, notre Créateur, Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Mon Dieu, je suis rentré dans la repentance, je me repentais, Père. Et dans ma repentance, tu t'es révélé à moi. Et tu m'as dit que Galates, tu m'as dit, on ne se moque pas de Dieu. Et j'ai dit, mais Seigneur, c'est quelle voix qui parle? Puisque ta parole dit d'éprouver les esprits qui nous parlent. J'ai demandé et tu m'as confirmé que c'était toi qui parlais. Et tu m'as dit, Galates chapitre 6, verset 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Mon Dieu, après cette révélation, je continue dans la repentance. Tu t'es révélé encore à moi. Et je priais, Seigneur, et tu m'as dit, souvenez-vous que la carte d'identité de la couleur de Dieu, c'est Romains chapitre 6. Tu m'as dit, Seigneur Jésus-Christ Nazareth. J'ai continué à te demander, Seigneur, je ne comprends pas qu'est-ce que tu veux dire par là, en me disant que la carte d'identité de ta colère, c'est Romains chapitre 6. Seigneur, tu m'as dit que c'est le feu dévorant. De l'enfer. Seigneur, j'ai continué à dire, Père, je ne comprends pas. Tu m'as expliqué, tu m'as dit que tous ceux qui disent que toi, le Seigneur Jésus-Christ Nazareth, comme tu as donné ta vie pour nous et tu as versé ton sang, le sang que tu as versé qui est la grâce, et à cause de cette grâce, le péché nous est permis. Et nous péchons sans réfléchir. Personne ne te revient, Seigneur. Oh Dieu, tu as dit que tous ceux qui disent qu'à cause de la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est ton sang que tu as versé, tous ceux qui ne se repentent pas, tous ceux qui ne te reviennent pas, Seigneur, quand ils vont mourir, ils iront en enfer. Grand Dieu, j'ai fait passer ce message-là. Mon Père, tu m'as montré récemment ta crucifixion. Je t'ai vu à la croix en train de souffrir. Seigneur, et quand je te regardais souffrir, j'ai attendu une voix, la voix d'une personne qui me disait, Seigneur, que les gens disent sur cette terre que toi, l'Éternel des armées, ton sang que tu as versé,